Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous et je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. La vision de la politique nationale de la jeunesse ambitionne de faire de la jeunesse togolaise à l'horizon 2030 une jeunesse épanouie, autonome et responsable qui participe pleinement à la construction nationale, en particulier dans le domaine de l'accélération de la croissance et du développement socio-économique. Pour concrétiser cette vision, diverses initiatives sont prises par le ministère en charge de la jeunesse. Parmi elles, nous avons le programme Vacances utiles et citoyennes qui vise un triple objectif et dispose de plusieurs volets. Cet après-midi, je suis avec un groupe de bénéficiaires avec eux. Nous allons vous faire découvrir les différentes activités de ce programme et ferons surtout le bilan de 2010 à 2022. Au cours des échanges, nous aurons l'appui de M. Jean Djanguenan, qui est le représentant du directeur national de la jeunesse. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à Podium Jeunesse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous le permettez, nous allons suivre ensemble ce reportage avec Clarisse Attia. Atelier d'informatique à la Maison des jeunes de Lomé. Une cinquantaine d'inscrits découvrent les bases du monde numérique. Pélagie, élève en classe de première, suit les cours depuis bientôt 2 semaines. Avant, je ne savais pas comment manipuler l'ordinateur. Par exemple, comment allumer un ordinateur. Comment saisir et un test. J'ai appris aussi comment faire un CV tout en introduisant ton image. Kezia, elle a choisi d'apprendre le perlage pour rendre utiles ses vacances. Je suis étudiante en droit à l'ISDI, donc pendant les vacances, j'essaie de faire ce genre de travaux pour avoir plus de connaissances dans les trucs d'entrepreneuriat. Je sais que c'est une source de revenus assez rentable. Même que j'en rêve déjà même à créer une entreprise de perlage, pourquoi pas internationale. Plusieurs autres activités manuelles destinées à occuper sainement les jeunes sont organisées à la Maison des jeunes de Lomé. Ateliers de dessin, de cuisine pâtisserie et de macramé. Sandia espère déjà tirer un bon profit pour la prochaine rentrée. La rentrée, en tant qu'élève, je pouvais faire des sacs pour vendre, pour avoir de l'argent, pour satisfaire à mes besoins. C'est un programme porté par le ministère en charge de la jeunesse. Il est dénommé Vacances utiles et citoyennes. Depuis le 11 et ce jusqu'au 26 août prochain, plus de 250 jeunes en bénéficient. L'objectif, c'est de pouvoir passer utilement leurs vacances, de pouvoir apprendre, mais aussi partager entre les pairs, entre eux-mêmes, des aptitudes, des valeurs qui leur permettent de pouvoir jouer leur rôle en tant que jeunes dans la société. Les centres et les maisons des jeunes sur l'ensemble du territoire offrent ces opportunités durant les grandes vacances. Ici, à la Maison des jeunes de Toglekopé, ils apprennent à décorer les tapettes et à fabriquer des savons liquides et de Marseille. On apprend aux enfants à faire les t-shirts, les casquettes et autres objets. C'est le ministère en charge de la jeunesse qui a initié ces activités pendant ces vacances. L'idée principale, c'est d'occuper les jeunes en leur offrant des activités qui puissent leur permettre non seulement de se former, mais d'être occupés et faire des activités utiles. Au-delà des activités manuelles, ces jeunes nourrissent leur esprit des questions pertinentes. Santé sexuelle et de reproduction, drogue, extrémisme violent. Ils doivent sortir de cette expérience imbus de belles valeurs civiques et citoyennes. Merci de revenir avec nous pour toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de ce reportage. Monsieur Djanguenan, le ministre du Développement à la Base et de la Jeunesse de l'Emploi des Jeunes, organise, comme je l'ai dit tantôt, depuis 2010, le programme des vacances utiles et citoyennes. Pourquoi un tel programme et quels en sont les objectifs? Merci, Madame Pélagie, pour cette invitation et l'opportunité que vous donnez à notre ministère de communiquer, d'échanger avec les jeunes sur le programme. Effectivement, le ministère du Développement à la Base de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a initié depuis 2010 ce programme pour permettre aux jeunes de participer aux activités, de voir dans quelle mesure ils puissent être utilisés, également permettre aux jeunes de passer de saines vacances
Et c'est également un élément, une occasion de faire passer des messages de sensibilisation sur des thématiques. Et en dehors de là, ces activités du programme Vacances visent également à offrir des stages de renforcement de capacité pour leur vie. Le programme Vacances Utiles, il y en a plusieurs volets. Hein. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Merci, madame. Effectivement, le programme Vacances Utiles et Citoyennes a plusieurs volets, notamment la colonie de vacances. Nous avons les stades d'excellence, nous avons les centres aérés et la dernière, c'est les camps chantiers de reboisement ou les journées éducatives. Je sais qu'en marge des activités du programme Vacances Utiles et Citoyennes, il y a aussi des activités que le ministère a à l'endroit des jeunes à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Évidemment, dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse, célébrée le 12 août de chaque année, le ministère lance un appel à projet pour primer ou récompenser les meilleures associations. Et déjà au mois de juin, nous lançons l'appel. Les associations déposent leur dossier. Un comité est mis en place pour évaluer et sélectionner les meilleurs projets. Et c'est des micro-projets de développement qui vont contribuer au développement communautaire. Et à la fin, donc, dans le cadre de la célébration de cette journée, les lauréats ou bien les associations lauréates sont invités pour recevoir leur chèque et en vue de mettre en œuvre ces projets. Hormis les associations, nous avons également les apprentis qui, au cours de cette journée, reçoivent les kits pour leur permettre de s'installer. Parce que le ministère a en charge, ou le ministère dispose plutôt des centres de formation professionnelle qui sont à l'intérieur, comme à Lomé ici. Et ces apprentis qui sortent de nos centres sont accompagnés, sont appuyés par des kits en vue de leur permettre de s'installer. L'idée, c'est quoi? Parce qu'on a remarqué que plus bon nombre qui sortent de ces centres n'arrivent pas à ouvrir leur atelier. Mais avec le minimum d'équipement qu'on met à leur disposition, ils arrivent à s'installer et aussi gagner leur vie. Merci beaucoup. Tout à l'heure, je vais leur donner la parole. Ils parleront, ils nous diront eux-mêmes comment ils ont vécu ces activités-là. Nous allons commencer avec ceux qui ont participé au concours d'appel à projet. Monsieur Alagbo, vous êtes le président de l'association Jeunesse en Mission pour le développement et vous avez participé au concours d'appel à projet. Quelle appréciation donnez-vous de ce concours? Merci beaucoup, madame, pour la question. Comme vous l'avez dit, je suis Edjordjinan Komi Alagbo, le président de la Jeunesse en Mission pour le développement. Nous avons eu à participer à cet appel à projet organisé par le ministère en charge de la jeunesse de cette année. Et Dieu merci, nous avons gagné cette fois-ci. Je dis cette fois-ci parce que... Ce n'est pas la première fois que nous participons à cet appel. Et j'avoue que ça a été vraiment une belle partie d'expérience. Et ça nous a permis d'apprendre, de découvrir beaucoup de choses quant à ce qui concerne la spécificité de rédaction liée à certains appels à projets comme celui du ministère en charge de la jeunesse. Et donc, nous remercions le ministère pour cette activité qui nous a permis d'être retenus et qui nous permettra donc d'exécuter notre activité puisque nous, on n'a pas encore commencé. C'est une activité que nous avons prévu faire pendant la rentrée scolaire. C'est en lien avec les grossesses en milieu scolaire. Donc nous attendons la sensibilisation, la conscientisation de nos jeunes filles et surtout élèves par rapport à la... Mais quelle est l'activité principale de votre association? L'activité principale de l'association, nous sommes un peu dans trois domaines principaux. Nous avons le domaine de l'environnement, nous avons le domaine des sports, de la culture et le domaine de la formation et du renforcement de capacité des jeunes en ce qui concerne leur leadership associatif et communautaire. Comme ce n'était pas la première fois, on dirait que vous êtes très endurant. Vous avez essayé, ça n'a pas marché, vous avez repris. Et c'est en cela qu'il disait que nous remercions vraiment le ministère parce qu'il y a des spécificités qu'il faut respecter, il y a des critères qu'il faut respecter. Et nous, depuis qu'on participait, et on balayait du revers de la main certains critères et on envoyait seulement les dossiers sans s'en rendre compte que... voilà ce petit truc-là maintenant, qu'il fallait faire. Le paquet après. Ah là, on est maintenant, on est plus grand, on est géant. Est-ce qu'on peut savoir combien vous avez eu?
Oui, c'est un chèque de 500 000 comme prévu dans le projet, dans l'appel, dans le document de l'appel. C'est un chèque de 500 000 que nous avons reçu pour réaliser cette activité qui va couvrir certains grands établissements scolaires du Grand Lomé, c'est-à-dire couvrant Aguanévé et Le Golfe. De cet argent. Effectivement. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. Monsieur Kevin Ossa. Merci au ministère pour l'invitation et justement aussi à Madame Pelagi pour l'accueil. Si je vais donc reprendre les mots selon mon prédécesseur à l'AGBO, je suis Kevin Ossa, je suis le directeur exécutif de l'Organisation des jeunes engagés pour le développement durable. Nous sommes un peu une ONG, association de développement, plus spécialisée sur la question de changement climatique et partant de là, faire en sorte que la thématique soit plus ou moins intégrée dans les questions de développement. Parce que voilà, on ne peut pas aujourd'hui concevoir un modèle de développement dans lequel on ne prend pas en compte les questions liées aux risques climatiques, quant à la vulnérabilité aussi, aux impacts qui nous reviennent en termes de conséquences néfastes. Donc, justement, bon, par contre, on n'a pas été endurant parce que... C'était un coup des 5-2 mètres. Oui, on a juste essayé et puis ça a marché. Par contre... logiquement, on se dit que c'est bon pour une première fois. Il faudrait aussi donner la chance à d'autres associations parce qu'on est très nombreux, mais il y a très peu d'opportunités, il faut le dire. Et justement, on avait pris 500 000 francs en 2020 pour réaliser un projet de renforcement de l'engagement des jeunes à l'action climatique à travers l'agroécologie à Agou. Et donc, on a réalisé le projet à Agou-Nyokbo où on a renforcé les capacités des jeunes sur les pratiques agroécologiques innovante pour être plus ou moins résiliente par rapport à leur activité champêtre qu'ils faisaient déjà. Donc, on leur a montré comment faire du compost pour pouvoir amender, enrichir les cultures, comment faire le paillage, comment faire la rotation de cultures, comment conserver les récoltes, les semis, par exemple, pour en refaire l'élevage des poulets, l'élevage justement aussi des chèvres et des petits ruminants. Et voilà, on a travaillé sur ce projet-là en synergie avec Web Togo, qui a installé une ferme agroécologique au sein de la localité et aussi avec la direction régionale de l'agriculture. Il y avait aussi ICAT et l'INFA de Tauvé. Et donc, quelle voilà appréciation faites-vous de ce concours? Le concours en soi... De cette opportunité que vous avez... Oui, je commence par le concours. Le concours en soi, c'était très bien parce que ça nous avait en tout cas permis d'avoir un premier appui et je peux dire que depuis juin 2017 que notre association est née, ce n'est qu'en septembre 2000, bon, août du coup, août 2020 qu'on a pu obtenir un appui extérieur. Sinon, on a fait 3 ans sans financement. Il faut aussi le dire parce que, bon, des jeunes associations. C'était un coup de pouce dont vous aviez vraiment besoin. Oui, justement. Des jeunes associations qui naissent, mais on demande tout de suite le récépissé pour créer de comptes bancaires, etc. Mais vous n'avez rien, quasiment rien. Donc, c'est très compliqué. Merci pour un beaucoup. Début. Maintenant, par rapport au projet, c'est vrai qu'on faisait des projets de ce genre, mais du fait que ça soit de l'argent extérieur, c'était un peu comme un prêt. Et donc, derrière la tête, ça faisait que, voilà, il y avait... obligation de résultats. De résultats pour ne pas merder. Et puis, bon, je suis sûr qu'avec les rapports envoyés express, voilà, on n'a quand même pas fauché le blason, sinon on ne serait pas rappelé pour des missions de suivi avec le temps. Merci mais beaucoup. Aussi, il faudrait rappeler une chose. Au-delà du fait que ça nous a permis de réaliser le projet, ça nous a aussi permis de nous asseoir. Et c'est-à-dire d'avoir un ancrage et puis après de pouvoir obtenir de financement pour avoir un bureau aujourd'hui et quelque chose qu'on a vraiment... Le siège de votre association. Oui. Merci beaucoup. Nilou Seraïssa, chargée de projet à l'association Vie Précieuse Togo. Merci, madame. Je suis mademoiselle Nilou Seraïssa, agronome de formation. Et chargé de projet à Avip Togo, association Vie Précieuse. Okay. C'est une ONG. Nous avons participé au concours d'appel à projet et on avait soumis le projet intitulé Génie en herbe, ancienneté et civisme en milieu scolaire. Et c'était vraiment
bon, une bonne aide venant du ministère en charge de la jeunesse, c'était vraiment d'une bonne aide parce que Avip Togo était à ses débuts et ça a vraiment aidé. Avip Togo a vraiment se basé aussi. Et ça l'a aidé à voir globalement ce qu'est la mise en œuvre d'un projet. Oui, donc, ça. Si je peux résumer les trois interventions, au niveau de M. Alagbo, c'était une école de persévérance pour Kevin. C'était le coup de pouce dont ils avaient besoin. Et pour Raïssa, c'est ça? Oui. Pour Raïssa, c'était vraiment l'aide pour une ancienne. Alors, Gbachi, Fafa. Merci. Merci Pélagie, merci au ministère pour cette invitation. Nous avons participé en 2018 à l'appel à projet et nous avons soumis le projet. Vous êtes les ténors, les vétérans. OK. Je suis alors Fafa Gbachi, chargée de communication à l'association Biye Blessing. Okay. Donc Biye Blessing a participé à l'appel à projet et nous avons soumis le projet de mise en place d'une bibliothèque mobile dans la commune d'Aguenivé 5 et Avé. Donc, au niveau de ce projet-là, de cet appel, nous disons merci au ministère parce que ça nous a permis de relever le défi d'une rédaction de projet. Okay. Vraiment, nous avons mis le paquet et c'est passé. Donc, nous avons reçu un financement de 500 000 qui nous a permis de faire une communication terrain sur un mois. Nous avons commencé à Dagbécito, nous sommes allés à Tidjan, à Kepé, Mwepé, Zangera et Sébé. Okay, voilà. Merci beaucoup. Nous allons discuter avec ceux qui ont eu à participer à des activités dans les centres aériens. On va commencer avec toi, Mario. D'accord. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie. Je réponds au nom de Mario Koko Ayangba. Et j'ai effectivement participé au centre aérien à la maison des jeunes d'Amada Homé dans les années 2017, 2018 et 2019. J'ai participé à plein de séances. Le long de cette formation, j'étais en atelier de cuisine où j'ai vraiment appris à confectionner ou plutôt préparer des gâteaux, des nems et tout ça. Vous voyez, c'est une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que au lieu de rester à la maison pendant les vacances et ne rien faire, ça me permettait de sortir, aller découvrir de nouvelles choses et partager aussi de l'expérience avec mes autres camarades ou collègues jeunes et avec aussi nos supérieurs qui nous donnaient entre-temps des conseils. Voilà ce que avant, j'ai... Avant de participer à cette activité, est-ce que vous aimiez la cuisine? Parce que, excusez-moi les garçons, la plus, il y en a qui ne savent même pas cuire un œuf. Vous aimiez aller à la cuisine avant ou c'est par le biais de cette activité que, vous avez, que votre amour pour la cuisine est né? Ok. Déjà, auparavant, j'avais l'amour de la cuisine. Okay. Mais le petit truc est que là, je me suis fait former en cuisine pâtissière, alors qu'avant, je ne connaissais. Donc, c'est un plus pour vous. C'est un plus pour moi. OK, merci beaucoup. Light. Un micro à Light. Voilà. Merci. Je m'appelle Dake Light. Oui, qui est Dake Light? Je m'appelle Dake Light. Mm-hmm. J'ai participé au programme Vacances Utiles 2022 à la Maison des Jeunes de Lomé. J'étais dans l'activité de cuisine. Mm-hmm. Tu es élève? Oui, je suis élève. En quelle classe? Je passe en troisième. En troisième? Oui. La cuisine, comment ça s'est passé? Ça s'est... Parce qu'il y a des filles aussi qui n'aiment pas la cuisine. Ça Il s'est... faut le dire. Oui, ça s'est très bien passé. Quel est le plus que tu as eu? Le plus que j'ai eu, c'est la connaissance de la pâtisserie. La confection des mets, comme le gâteau, les nems, le croissant, le cake. Donc, toute seule maintenant, tu peux les réaliser? Oui, je peux les réaliser. OK, merci beaucoup. Fiza? Merci, madame, pour la parole. Tout d'abord, je salue nos chers téléspectateurs. Je t'assure. Je réponds au nom de mademoiselle Agbeblo Feza. Je représente le centre des jeunes de Togblekopé. Okay. Je suis élève en classe de 3e. Comment ça s'est passé? Bon, moi, j'étais dans l'atelier de perlage. Où souvent, on dit avec les perles, les femmes seront plus belles.
Donc, j'ai choisi de faire le perlage parce que j'aime bien les perles. On a fabriqué beaucoup de choses comme les sacs à main, les ceintures, des bracelets et les colliers. Donc, toute seule, tu peux les fabriquer maintenant? Oui. Ou bien tu envisages déjà ouvrir une entreprise? Oui, j'ai fait une même démonstration, maman. Ah, bah voilà, voilà. Merci beaucoup. De Bévi? Oui, et bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Et merci pour la parole. Je t'en prie. Je réponds au nom de Bévi Arnaud. Et je suis étudiant et bon, je suis en formation en maintenance informatique. Mmh. Et bon, j'ai participé aux vacances, au programme Vacances Utiles des citoyens et à Avedi. Donc, j'ai suivi la formation en sérigraphie. Okay. Sinon, bon, la formation, c'était bien. C'était bien. J'ai beaucoup aimé la formation. Et actuellement, qu'est-ce que tu as aimé en particulier dans la formation? S'il vous plaît. Qu'est-ce que tu as aimé de particulier dans oui, la formation? Oui, bon, et ce que j'ai aimé, et la façon dont les formateurs nous ont formés. Et c'était comment cette façon? Bon, c'était bien. On dirait que vous aimez parler à mots couverts. Ici, nous appelons un chat un chat. On appelle les choses par leur nom. Vous avez aimé, je suis d'accord. Qu'est-ce que vous avez aimé? Bon, et je viens de le dire, la façon dont les formateurs. Et cette façon, c'était comment? Et ils sont ouverts. Ils ont ouvert, voilà. Oui, donc, après la formation, ouverts. Vous discutez d'autres sujets qui t'intéressent. Oui, voilà, avec c'est ce qu'il fallait me dire. Avec les formateurs. Merci sinon, beaucoup. Sinon, c'était bien. Tu as aimé. J'ai beaucoup aimé. Bernice. Oui, merci, madame. Tout d'abord, je tiens à remercier le ministre du Développement à la base et de la formation des jeunes de nous avoir permis de participer au programme de vacances utiles et citoyennes. Mm-hmm. Moi, c'est Ali Bernice. Je suis une nouvelle bachelière. J'étais à Adetikopé dans l'atelier de décoration des tapettes. Tout d'abord, j'étais à Kara avant d'avoir la nouvelle. Donc, je me suis inscrite en ligne. Donc, c'est à cause de l'activité, j'ai dû revenir des vacances pour le suivre à Adetikopé. Sinon, moi-même, j'habite à Davier. Okay. J'ai vraiment aimé le programme de vacances utiles et citoyennes parce que je suis du genre timide. Ça m'a permis à c'est faire. Sûr. De toute façon, tu parles comme une fontaine là. Toi, tu es timide. En groupe, je suis timide. Mais quand ici, je on est en groupe. Après la formation, elle a perdu la timidité. Je vois. Donc, ça m'a permis d'être ouverte, de dire relax. Ce que je ressentais, de savoir vivre, de faire de nouvelles connaissances. Mais toi, tu as eu beaucoup de choses oui. par rapport aux autres. Avant merci. De discuter avec ceux qui ont participé au camp chantier, colonie de vacances, journée éducative, Monsieur Jean-Guénan, les activités ont repris 2 ans après la COVID, hein, et parce qu'il y a eu suspension. Mais les colonies de vacances et les centres d'excellence n'ont pas repris. À quoi cela est-il dû? Merci une fois encore, Plagi, pour la question. Effectivement, en ce qui concerne les stades d'excellence et les colonies, nous n'avons pas pu organiser cette année. Et pour la simple raison que par rapport à la colonie, l'effectif que nous avons à chaque édition est en nombre croissant au fur et à mesure. Et vu les infrastructures qui nous accueillaient par le passé, la prospection nous a permis de nous se rendre compte que nous ne pouvons pas héberger tout le monde sur le même site. Pourquoi? Et surtout dans le respect des mesures barrières de lutte contre la propagation du COVID-19. Donc, Balimé, Kara, Noche, qui nous accueillaient par le passé, quand vous voyez les infrastructures aujourd'hui, et si nous voulons respecter les mesures barrières, parce que tout le monde doit être sur le même site, participer aux activités sportives, récréatives et autres, là, et vu leur nombre, on n'a pas d'infrastructure aujourd'hui qui puisse accueillir tout le monde avec l'observation des mesures barrières. S'agissant donc des stages d'excellence, effectivement, la COVID aussi est passée par là. Puisque le ministère... La COVID est passée partout. Voilà. le ministère sollicitait donc les sociétés ou bien les entreprises
à part à travers un courrier pour la demande des places de stage en faveur des étudiants et étudiantes en fin de cycle, pour leur permettre de créer leur mémoire ou de renforcer leur employabilité. Vous savez, avec les mesures, nous n'avons pas pu continuer cette activité parce que les responsables de ces structures, par rapport aussi aux mesures barrières et à la COVID, n'ont pas voulu aussi continuer par accueillir les étudiants. Mais je voulais donc les rassurer qu'avec l'allègement des mesures, le ministère a réactivé le processus et bientôt les étudiants seront encore placés dans les sociétés, dans les entreprises pour faire leur stage. Parce que ces stages, comme vous le savez, leur permettent non seulement peut-être de faire la pratique, de créer leur mémoire et de soutenir. Et d'autres encore, ça leur permet de renforcer leur employabilité en allant se perfectionner, en travaillant dans l'entreprise pour la phase pratique. Merci. Parce que c'est la théorie qui se fait, comme vous le savez, dans nos universités. Et c'est au milieu, en milieu des sous-titres qui font la pratique. Merci beaucoup. Monsieur Agbessé, voilà, innocent, vous êtes informaticien. Vous avez participé aux journées éducatives à Cara, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci beaucoup, madame. Je remercie également le ministère pour l'opportunité qu'il nous offre aujourd'hui de parler de ces moments que nous avions eu à vivre lors de nos différents programmes. Alors, je suis Agbessé Kodou Innocent, je suis informaticien de formation. Actuellement, je suis chargé de la gouvernance et de la protection des réseaux et systèmes au port autonome de Lomé. Okay. Je suis également le président de l'association Les Lauréats du 228, que je représente avec mes collaborateurs. Alors, Les Lauréats du 228, c'est une association qui est formée à l'issue de notre passage à la journée éducative ainsi qu'au camp chantier Colonie des Vacances. Alors, les lauréats qui ont pris part à ces programmes se sont regroupés pour constituer cette association. Et puis, l'objectif principal de l'association, c'est nous optons pour l'excellence en milieu éducatif parce que c'est sur cette base-là que nous avions été choisis pour prendre part à ces initiatives. Alors, pour ma part... Le plus que votre participation à ces journées éducatives vous a apporté. Voilà, merci pour la question. Il faut dire que j'ai eu à participer à la journée éducative de 2014, après mon probatoire. En fait, la journée éducative, ça rassemble les meilleurs élèves qui sont premiers de leur centre d'écrit au probatoire, ainsi qu'au BPC. Donc, la séance a été tenue à Cara, où nous avions été logés à l'école Chaminade. Ça nous a permis de faire des découvertes, parce qu'avant, moi, je n'ai jamais voyagé sur d'autres localités à part Lomé. Okay. Donc, c'était une chance pour moi de découvrir Cara, notamment le parc Sarakawa, le palais des congrès, le marché et donc d'autres. Donc, c'était du tourisme, en fait. Non seulement du tourisme, c'était des moments où on a partagé des séances de sensibilisation, comme M. Jean vient de le dire, sur des thématiques éducatives. D'accord. Ce qui m'a permis aujourd'hui de devenir un leader, si je puis me le permettre. Donc, ces activités sont de très bonnes activités, intéressantes, et je prierai le ministère de les faire revivre. Merci beaucoup. De les faire revivre. Voilà. Donc, cela vous a permis de bouger. Oui, justement. De connaître une partie du Togo à part Lomé. Oui. C'est important aussi. Et nous notons également que ça a incité encore plus notre sens d'excellence en milieu scolaire, parce Merci que c'était beaucoup. Le plus important. Merci. Merci. Honoré. Merci, madame, pour la parole. Je me nomme Monsieur Hassan Honoré, je suis doctorant en médecine, membre... Donc bientôt docteur Hassan. Effectivement. Okay. Membre de l'association des lauréats 228. Je suis entrepreneur. Vous avez participé au camp chantier? Oui. Camp chantier, non. C'est une auto-formation. OK. Oui. Et cofondateur d'une marque dorée
qu'on appelle communément Doré, et qui est spécialisée dans la production du sirop de Bissap. Mmh. Effectivement, on a eu à participer aux journées éducatives, justement. Et comme le but de ces journées, c'est d'associer l'essentiel à l'agréable, justement. Et pour ces journées, on a eu à faire beaucoup de tourisme, visiter les sites touristiques, surtout du Nord, comme vient de le citer. On a eu à participer aussi à des journées éducatives sur la sensibilisation et le vivre ensemble, sur le maintien de la paix et la cohésion entre les communautés. Et qu'est-ce que vous avez eu à gagner de cette activité? Personnellement, j'ai eu à gagner beaucoup, beaucoup. Dites-nous un peu. Et disons que ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert les yeux parce que vraiment, je venais d'une zone un peu reculée. Donc, j'étais sorti de moi-même. Je suis allé vers les autres. C'est comme si vous êtes découvert. Justement, vers les autres. Et comment faire connaissance avec quelqu'un. Voilà. Vous êtes timide? Vous êtes timide? Avant. Ouais. Mais cette activité-là est bonne. Hein. Après cette activité, on perd la timidité. Donc, ça m'a permis à aller vers les autres, okay. À discuter tranquillement et tout, et aussi à connaître certaines réalités du pays. Merci beaucoup. Clémence? Merci, madame, pour la question. Je suis Larry Monique Clémence, étudiante en troisième année pharmacie. J'ai eu à participer aux journées éducatives, plus précisément à la colonie de vacances 2016. C'était une très belle expérience. J'ai eu à rencontrer de très belles personnes avec qui j'ai toujours gardé le contact aujourd'hui. J'ai eu à participer à des ateliers de formation, plus précisément la confection des tapettes en pagne. Et grâce à cette activité, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu à créer ma marque d'accessoires pour cheveux. Bon, je confectionne des chouchous. Mais la marque, c'est quelle marque? C'est By Clem. C'est le moment où jamais de te faire de la pub gratuite. Hein. Le nom de la marque, c'est By Clem. Okay. Je me nomme Clémence, donc le By Clem. Donc, je confectionne les bonnets pour les femmes, pour cheveux et tout, pour protéger les cheveux, les chouchous, pour accessoiriser les tenues et tout. Donc, je dirais que la colonie m'a beaucoup apporté. Vous étiez timide aussi parce que là, vous êtes... Donc, oui, je suis timide. Je suis timide de nature, donc. Okay. Voilà, c'était une très belle expérience. La colonie vous a beaucoup apporté. Oui, beaucoup. Je vois, merci beaucoup. Merci. Nous allons échanger avec Larissa. Merci beaucoup pour la question. Je suis Larissa Adbavor, juriste de formation, actuellement agent de DSR à la coordination d'assistance aux réfugiés. Je continue également les études en diplomatie, je fais le master 1. Okay. J'ai pris part à la colonie de vacances de 2014. Elle s'était déroulée à Palimé, je venais de là, donc ce n'était pas très nouveau pour moi. C'est votre milieu? Oui, c'est mon lieu de confort. Ce qui était très intéressant, ce sont les personnes que j'ai eu à rencontrer, les ateliers qu'on a eu à suivre et l'expérience partagée ensemble. Je n'étais pas timide comme les autres, mais je fréquentais moins de personnes. Donc c'était le brassage que vous avez apprécié. Oui, j'ai connu beaucoup de personnes très intéressantes. Et comme elle l'a dit, on traîne toujours ensemble. Vous traînez toujours ensemble. Ouais. Merci beaucoup. Agamako Afi, vous êtes assistante en communication et vous avez eu à faire un stage d'excellence. Merci, madame. Je m'appelle Agamako Afi. Je suis secrétaire assistante pour Réa et j'ai participé au programme de stage d'excellence en 2018. Vous êtes stressée? Un peu. Pourquoi? Oui, dites-nous.
au stage d'excellence, j'avais fait un stage de 2 mois dans une institution de microfinance, WEDIS. Ce stage m'a permis d'avoir un thème de mémoire, d'écrire le mémoire et enfin de soutenir pour obtenir mon diplôme. Ce stage m'a aussi permis d'avoir de l'expérience professionnelle parce que j'étais dans le service clientèle. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Comme j'ai fait la communication comme formation, ça m'a permis de faire la pratique de ce que j'avais appris à l'école. Vous étiez timide aussi? Oui. Finalement, le projet ne présélectionne que des gens qui sont timides. C'est Larissa seule qui ne l'était pas. Hein. Je n'étais pas timide non plus. Ah, voilà. Il y a eu aussi des gens qui ont reçu des kits après des formations. On discutait avec les représentants des apprentis. Chers téléspectateurs, permettez qu'on échange en vernaculaire, c'est ça? En tout cas, ça peut aller? En vernaculaire. Ouh, je vais aller à une école. Voilà, c'est vous, Marceline? Oui. Ninevi Marceline. Oui. Et bien, il y a un peu de temps, et il y a un peu de temps, et il y a un peu de temps, nana soreo le mokekeme e mi kwa beto vone wa odo tepedo chanko nana tutudo tela e sore ko do dore pela lonwa le tela bakpaji musukudo nyon e mi onu metoto wa vai e nyake mi late gbona miso ne debe no tede ke mi poso mon popo yake me me duplo lona le na soreo le togo yo ndakwe na mi e ve mpla do le centre des jeunes avait dit Konyini Nevi a fait Marcelina. Une place d'avoir. Et puis, à mes compères, voir mon homme d'or Pézérica. Et. Donc, tu as fait Mianti. Bon, en fait, on peut faire. En fait, on peut faire Mianti, qui est mon d'or peur. Quand les docs plaient, on a mis un panier de noir. Oh, chanchon, on a d'aller au roi. Oui, qui est un big bac pour moi, un mois pour un d'or d'or. Et moi, on va venir à Nova Yamibé. Ah, il y a des ministres à vous voter, donc on m'a dit. Et dit John, le côté, on a mis une machine. Machine qu'on sort en anoua et qu'on sort dans ce village à faire ciseaux, d'eau mettre. On peut les miens, tu peux boire. Et nous, on doit d'or, puis avis, j'allais dire que d'or, les hiros. Oh, elle est into. Il m'a blémion. Parce que le problème est là. Parce que je suis un peu amoureux, bon, je félicite mon beau-père. Je suis un peu plus. Que les machines veulent que je me félicite. Je suis un peu plus. 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 Je suis un Nema glona no vinyi nyonu vi alonu suvia dopa kla ele vevere parce que kemkele sukula en rêve kwa me dava kla do nke ngula me mabanya e khakhare bana yomba yi tela dome matonobe no la homea on kwala ndepo on eji dori ni wa kla do banu alonu do no alonu mkoneli amisio nke go nyi mele sofade le pomi fifijen. Nde bejibe ya zuvwa nwa, haka vava, mwono kwa kwa lebe la tozu mde kechan, magba no biyo mke mwela no duwa. Problem lo ekwa. Aha, akpe no kaka. Gine ja pou nupo kudo. Mwenye fosu. Je se, n'est-ce pas? Se bide nam? Ok. Merci, madame. Je me nomme Atale Bide nam. J'ai passé mon examen en 2018. Suite après ça, on nous a remis les kits. Les machines et à ce village, comme ma sœur l'a dit. Bon, grâce à ça, j'essaie de faire beaucoup de choses à la maison. Mais j'ai essayé de faire un petit atelier et à la maison. Donc, pour pouvoir m'aider dans mes besoins et autres. Donc, et grâce à ça, je remercie beaucoup et le ministère. Bon, suite à ça, généralement, je n'avais pas voulu apprendre ce métier. Donc, c'est un regret? Non, 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 okay. Ce n'est pas un regret. Ce n'est pas, c'est pas ça que je voulais, mais comme j'ai vu les autres faisaient, et puis ma mère m'a conseillé, donc c'est ça qui m'a motivée à le faire. Et quand je suis rentrée dedans, donc moi-même, j'ai apprécié.
Donc, je vois que si j'étais restée à la maison, je n'allais pas maintenant. Donc, je vois brièvement, que... quel est le rôle que cet apprentissage ou cette opportunité qu'on vous avait offerte et que vous en avez profité, quel est le rôle, quel a joué dans votre vie en général et dans votre vie professionnelle aujourd'hui? Bon, je vois que dans ma vie, ça m'aide beaucoup. Okay. Ça m'aide. Parce que grâce à ça, je vis avec mes besoins. Vous arrivez à pouvoir vos besoins. Oui, oui. Merci beaucoup. Monsieur Djanguenan, est-ce que vous pouvez nous parler des activités qui ont meublé l'édition 2022 du programme Vacances utiles et citoyennes? Merci, madame. L'édition 2022 des activités de vacances utiles et citoyennes ont été meublées essentiellement par deux activités phares. Les activités au niveau des ateliers, comme les uns et les autres l'ont dit, et des communications thématiques. Cela veut dire quoi? Au niveau de chaque milieu ou bien de chaque site, et peut-être pour le relever, au niveau du Grand Lomé, nous avons eu 4 sites pour les activités des centres aérés, non seulement à Lomé, mais également à l'intérieur du pays. Et donc, sur chaque site, il y a eu des ateliers qui ont été ouverts, perlage, macramé, informatique, ainsi de suite. Et ça a permis à beaucoup de jeunes d'apprendre, de s'initier aux activités manuelles durant ces vacances, de ne pas rester à la maison sans rien faire. Et les communications également ont été, les communications de sensibilisation également ont été menées. Et sur des thématiques, comme je le disais tantôt, notamment sur l'extrémisme violent, la citoyenneté, les valeurs civiques et citoyennes, les méfaits de consommation de stupéfiants et également la prévention des grossesses et des IST via SIDA à l'endroit des jeunes et adolescents. Donc, globalement, voilà les activités qui ont meublé l'édition 2022 du programme Vacances utiles et citoyennes. Et comme on l'a souligné plus haut, les stages d'excellence et la colonie qui n'ont pas pu être réalisés. Merci beaucoup. Tout de suite, avant de faire un bilan, nous sommes en train de faire le bilan de ces activités. Mais avant de clôturer le bilan, nous allons suivre avec Clarisse Aticlet le reportage qui a été réalisé lors de la clôture du programme Vacances utiles de cette année. C'est la fin de l'édition 2022 du programme Vacances utiles et citoyennes porté par le ministère en charge de la jeunesse. Ces jeunes ont passé 10 jours dans des centres aérés de vacances à faire des activités manuelles. Ateliers de perlage, de sérigraphie, d'informatique, de dessin, de cuisine pâtisserie et de cosmétique, entre autres. Issus des maisons des jeunes de Lomé, d'Avedi, d'Adetikopé et de Toglikopé, ils célèbrent ici la fin des 10 jours mis à profit. Le ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes se félicite des retombées de l'édition 2022 du programme Vacances utiles et citoyennes. Les stands qu'ils ont présentés, tous les produits que les enfants ont pu faire, nous pensons que nous avons atteint cet objectif parce que nous avons vu que ce que nous voulons, les enfants l'ont fait et ils l'ont présenté aux vieux et aux yeux de tout le monde. À part ces activités manuelles, les jeunes aussi ont appris la chorégraphie, les poésies, tout ça, les activités culturelles. Ils ont pu apprendre pour pouvoir aussi s'épanouir. Les centres aérés de vacances visent à offrir aux jeunes et adolescents des opportunités d'apprentissage des activités manuelles. Il est également question de renforcer chez eux la culture du vivre ensemble. On a animé certains thèmes pour sensibiliser ces jeunes, surtout contre l'extrémisme violent qui est à nos portes actuellement. Aussi, le vivre ensemble, la citoyenneté, le civisme et aussi pour la culture de la paix.
L'édition 2022 du programme Vacances utiles et citoyennes a drainé 1235 jeunes sur 6 sites sur l'ensemble du territoire. Des kits scolaires leur ont été distribués afin de leur permettre de reprendre les classes dans de bonnes conditions. Donc, l'édition de cette année a rassemblé 1200 vacanciers. Quel bilan faites-vous alors de l'édition 2022 du projet Vacances utiles et citoyennes? Alors, pour l'édition 2022, nous disons que le bilan est globalement satisfaisant parce que tous les sites que nous avons mis au programme ont accueilli les jeunes et au total, nous avons enregistré 1235 jeunes qui ont participé au centre aéré de cette année. Et si nous prenons de 2010, depuis le lancement du programme jusqu'à maintenant, nous avons donc plus de 414 apprentis qui ont été appuyés en kit, plus de 350 associations qui ont été également appuyées, qui ont été lauréates et qui ont reçu leur chèque pour la mise en œuvre de leur activité. Les élèves qui ont participé aux colonies sont estimés à plus de 2900 jeunes. Et pour les centres, les camps chantiers, ils sont estimés à 325. Et donc, de façon globale, le ministère a quand même donné l'opportunité aux jeunes de mener des activités, de s'occuper sainement, sereinement pendant ces vacances. Vous savez ce que je vais dire. Okay. Voilà. Nous arrivons merci. Tout doucement à la fin de notre émission. Nous sommes à quelques jours de la rentrée scolaire. Vous avez un petit mot pour nos amis étudiants et élèves? Merci beaucoup, Pélagie, pour la question. En tout cas, peut-être une heure de conseil, je pourrais le prendre, mais pour aller vite. D'abord, je voudrais en tout cas inviter d'abord les parents à ce que les temps sont difficiles, mais de faire de leur mieux pour pouvoir préparer la rentrée de leurs élèves. De leurs enfants. De leurs enfants, j'allais dire. Et maintenant, une fois que c'est fait, alors aux élèves et aux étudiants, d'abord, je leur souhaite une bonne rentrée et demande à ce qu'ils soient en bonne santé pour pouvoir aller au cours. Je les invite également à être prudents sur nos routes. Je les invite à porter les casques au cas où ils sont à moto et à étudier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Jean Guénan. Je vous remercie. Et je remercie ce groupe de bénéficiaires. On applaudit. Voilà, je remercie ce groupe de bénéficiaires qui ont eu à participer à ces différentes initiatives du ministère de la Jeunesse qui vise à faire de la jeunesse togolaise, comme je l'ai dit en début d'émission, une jeunesse épanouie, autonome et responsable qui participe pleinement à la construction nationale. Je rappelle que vous êtes le représentant du directeur national de la jeunesse. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce numéro de Podium Jeunesse. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe de la réalisation. À samedi. Mr. Garci, c'est l'eau. Ziga, ziga, ziga.
japanami, nyakele joem japanami, leke amo le walai. Mi go boom, enyado baledi, nyakato nyem japanami, nyezidan mini materazi. Ola doe moi, ni ma jeme, ola gidi gidi, ola jeme, ola takle, si me jene, mi la wele je, mi la sueme. Ola doe moi, ni ma jeme, ola gidi gidi, ola jeme, ola takle, si me jene, o chukana mo ha sueme. Ame ame ame. Que maudia e comiani, minha fiami, me tacha moa walai, pulpa, one in a print, nami le realize one in a print, falling, brawlers on me, better cool navigator, wulka, me vaga, me le safa, futos, wa don't go le pata, wabe photo di la kata, e wesia, hopata, me vaga, me le safa, futos, wa don't go le pata, wabe photo di la kata, e wesia, hopata, me ame. Mubase gome, yon konya me lebe delpe, ma papa odeo, avant de travailler. Ye vale marche, ye vale noire, wapata wano konya we, imo sali si pa touche o. Oh 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 oh, denigre me si pa touche o. Oh 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 oh. Je travaille. ADG, Monsieur Folly. Boris Laba. Martial Charo. Sabo. Seigneur on the beat. Festiva, une gamme de produits pour un petit déjeuner complet. Festiva, c'est du lait, du thé, du chocolat, de la mayonnaise et plus encore. La vie est un festival. La campagne nationale de reboisement 2022 entre dans sa deuxième phase avec le début de la petite saison pluvieuse. Les terres à reboiser sont mobilisées. Les conditions météorologiques sont favorables. Des milliers de plants sont encore disponibles. Ensemble, mobilisons-nous pour l'atteinte de l'objectif d'un milliard d'arbres plantés d'ici 2030. En soutien aux pépiniéristes, plante un arbre aujourd'hui et participe à l'expansion du taux national de couverture forestière. La campagne nationale de reboisement, c'est aussi une opportunité inédite de création d'emplois verts. Alors, plante un arbre aujourd'hui et entretiens-le. Les leaders de demain, voilà le terme de votre émission idée de cette semaine. Qu'est-ce qu'un leader ? Comment comprenez-vous ce terme, un leader de demain ? Lorsqu'on parle de leader, on parle de cette personne-là qui a une confiance en elle, qui a une motivation sans faille dans un domaine bien précis et qui va amener une foule derrière lui pour une destination donnée. Et leader,
toute nation a besoin des leaders. Et pour être leader ou bien pour devenir leader, c'est tout un chemin. C'est toute une compétence qu'on draine pour devenir par après un leader. Comment vous prenez pour actualiser vos curricula pour que ceux-là qui choisissent le solaire ne deviennent pas demain des gens dépassés? Dans nos curricula, au-delà de l'aspect technique de la formation, nous avons également le cours sur le leadership et puis la création d'entreprises où les étudiants sont suivis bout à bout pour qu'ils puissent disposer de beaucoup de compétences. Quand je prends l'aspect l'ouverture d'esprit, un étudiant créfait doit être quelqu'un qui sort avec des esprits vraiment ouverts, qui aime la mise à jour. Arriver quelque part, tu sais que ah, ça, ce n'est pas mon niveau. Pour pouvoir être à ce niveau, il faut que je me rapproche de telle personne qui a déjà cette connaissance. Quelles compétences faut-il avoir pour être un leader? Quel rôle joue un leader? Réponse à toutes ces interrogations ce samedi 17 septembre 2022 à partir de 17h00 sur la télévision togolaise avec Condor Bagnan et ses invités. Komlan Aouté, il est formateur en énergie solaire, et Achille Cloutier, directeur pédagogique au métier d'énergie. Rediffusion ce dimanche 18 septembre 2022 à partir de midi et jeudi matin de 9h15 à 10h15. Avec idée, vous avez la clé de la réussite. Bougez chez vous, renforcez votre organisme, retrouvez votre souplesse, transpirez et gardez l'équilibre. Boostez votre système immunitaire et gagnez en assurance. Gym Impact. Gym Impact, c'est du sport cardio, un programme relaxo-sportif pour votre bien-être physique et mental. Gym Impact, c'est aussi des conseils nutritionnels et des pensées positives. Participez au programme Gym Impact sur la TVT chaque matin, de lundi à vendredi, de 5h à 5h30 et augmentez votre espérance de vie. Soyez la meilleure version de vous-même. Gym Impact, un programme du ministère des Sports et des Loisirs en collaboration avec le PNUD et le ministère de la Communication et des Médias. La TVT au cœur de votre vie. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission IDÉE. Aujourd'hui, IDÉE va parler des leaders de demain. Et pour bien décortiquer ce thème, j'ai à ma droite M. Cloutier Achille. Il est